Hop, 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 on s'installe confortablement. Oui, petit live spécial, complètement cheaté, mais je vous expliquerai après. Le temps que tout le monde arrive, quelques petites bandes annonces, et puis on se retrouve tout de suite. Allez, go! Bon, bah, rien gratuit pour tout le monde! Tu m'as l'air un peu vif, toi, non? C'est beau magie pour les faire bouger, dis donc. Attends, je vais essayer. Bon, bah bien. Bon. Bania. Je vais pas trop lui laisser faire. Non, 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 je veux pas des passages comme ça, je n'irai pas. Je n'irai pas jamais. Filez vous, filez vous, filez vous. Encore, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Petit pas, hop, esquive à gauche, esquive à droite. Messieurs, dames, faut vous casser de là-bas. Je vais ramasser mon item au somme. Non, mais je passe, ça rien. Etc. Etc. Vous êtes tous bien installés ? Bah c'est parfait, on va pouvoir y aller. Oui, alors c'est un live en différé parce que je suis pas disponible. Je suis actuellement sur une autre planète pour de nouveaux tests de jeu. Et donc je vous laisse à votre confinement. Et je me disais, les pauvres, ça doit être dur le confinement pour eux. Ça doit être très très dur. Et en ce jour d'Halloween, ça doit être encore plus dur parce qu'on peut même pas sortir faire les cons, boire des coups avec les copains. Je comprends votre désarroi totalement. Et vu que vous n'avez pas la légèreté de l'absence de gravité dans l'espace que j'ai moi, eh ben je me suis dit, on va faire un petit concours. Je vais faire durer le suspense. Bonne annonce. Oui, il fait durer le bougre, hein. Eh oui. Et donc je disais, bah, c'est un Halloween de merde qui est tout à fait coordonné avec cette année 2020 de merde, hein, qu'on se tape tous. Pour le bénéfice de moins de 10%, hein, je rappelle, c'est important. Et donc je me suis dit, bah, TBG va quand même faire quelque chose, puisque oui, il y a un concours. Un concours pourquoi ? Pour gagner un jeu, bien entendu. Et donc, je me suis dit, on va faire le concours spécial Halloween. Et vous avez vu passer ce matin, probablement sur Twitter, un message avec une question assez compliquée quand même. Puisque si je ressors le message, c'était... Lequel était-il ? Et personne n'a réussi à répondre correctement. Personne n'a même essayé de répondre. Il faut dire qu'avec une question aussi débile... Et franchement, on se demande un petit peu où l'émetteur voulait en venir. Je vais vous le dire. Oh, une bonne annonce, regardez.
franchement, ça, c'est pas bien gentil de faire durer comme ça. Bah oui, mais il faut du suspense, quoi. Moi, j'ai été élevé à la télévision, hein. Les mecs, ils font des émissions de 2 heures pour parler d'un truc qui prend normalement 10 minutes. Je connais le truc, hein, maintenant. Et donc, je m'en sers. Donc, il n'y avait pas de réponse vraiment appropriée pour la question de ce matin qui était du pur n'importe quoi. Et dans ma grande sagesse, TBG a décidé que tous les tipeurs avaient gagné ce concours. Oui, tous. Ça veut dire que vous êtes 7. Et vous êtes 7 à repartir avec un jeu. Quel jeu? Ah, ça, je détaille juste après cette... Oh, regardez, une bonne annonce, c'est fou, ça. Donc, soirée colorectale dans The Big Gameoski avec l'exploration de Jean-Philippe. Bah oui, qui nous servira de sujet aujourd'hui. Tous pas Jean-Philippe, j'ai passé là. Et on y va. Je vais courir quand même parce qu'on va peut-être pas y passer toute la journée, quoi. Oh, j'ai peur. J'ai jamais couru dans le colon de quelqu'un avec la lumière qui déconnait. Si, mais il y avait de la musique techno. Et c'était pas dans quelqu'un, c'était vraiment dans un tunnel. Ah, je l'aime beaucoup, cette bande annonce, elle est bien. Je disais quoi déjà? Il y en a deux qui suivent. Oui, donc, dans sa grande sagesse, The Big Gameoski a déclaré que tous les tipeurs avaient gagné un jeu. Et j'ai essayé de vous trouver un jeu qui puisse coller avec un petit peu tout le monde, c'est-à-dire y compris les gens qui n'aiment pas les shmups, hein, ça existe. Y compris les gens qui les adorent, y compris les gens qui n'aiment pas les jeux compliqués, y compris les... Ouais, enfin bon, j'ai essayé de faire une moyenne dans ma tête. Et vous vous rappelez certainement d'un jeu que je vous ai fait voir il y a quasiment un an, c'est ça, qui s'appelait Freedom Finger. Oui, Freedom Finger, c'était ça. C'est un nouveau shmup. Gamma Ray, I'm afraid the situation is code blue. The American research facility on the move was attacked and captured by Chinese terrorists. C'est un truc, t'as l'impression que c'est une blague de comptoir en fait à la base. Ah, je chie là, je chie. Did you just tell me to put my beer down? Gamma ray fire at fucking will. Oh fuck yeah, Freedom Finger. Oui, Freedom Finger, c'est bien un jeu atypique, hein, parce que c'est la chevauchée entre du shmup qui se prend pas trop au sérieux, mais qui reste sacrément jouable. Et puis un album, une belle compile de zik indépendante. Il y en a vraiment pour tous les goûts dessus, et je pense que c'est un bon choix d'avoir sélectionné Freedom Finger, puisqu'il y a de fortes chances qu'il convienne à tout le monde. C'est autant un bon shmup qu'un bon album. Il y a de quoi passer de bons moments et se détendre un petit peu, parce qu'on en a tous besoin en ce moment. Donc bravo à vous les tipeurs, merci pour le soutien. Ça s'appelle un renvoi d'ascenseur, c'est normal. Et donc vous allez tous recevoir très bientôt, je pense par Twitter, c'est là que j'ai le plus de contacts je crois. Vous allez tous recevoir bientôt votre clé pour pouvoir jouer à Freedom Finger et vous éclater en écoutant cette BO monstrueuse qui contiendra forcément un groupe qui vous plaît, voire même plusieurs. Moi perso, je suis fou hystérique de Drab Majesty, vous le savez tous. Voilà, donc je vous souhaite un excellent Halloween, restez chez vous tant que faire se peut, prenez soin de vos proches, prenez des nouvelles des gens que vous savez un petit peu isolés, c'est important, parce que la première fois ça a dû leur peser un peu sur la gueule, mais la deuxième, je pense que les psychiatres vont jouer à guichet fermé, quoi. Donc pensez à prendre des nouvelles autour de vous, des gens, y compris de ceux qui n'en donnent pas, parce qu'ils n'osent pas demander, il y en a plein, ça existe, donc c'est bien. Faites-vous insulter parce que vous harcelez à la limite, mais au moins vous l'aurez fait, c'est classe. Je vais pas vous faire plus de morale que ça, le jeu vous attend, il est tout chaud, il est tout frais. Et j'espère que vous allez vous éclater. Joyeux Halloween, ciao, on se fait de la bise. Allez, allez, allez.